L'histoire de Mme Bergeron est bien connue de sa famille et de son voisinage. Elle nous a contactés par courriel, nous disant qu'elle savait d'où venaient les structures. Elle a vu ceux qui les ont enterrés. Oh! Bonjour! Oh, déjà! Bonjour! Ça va? Bien, merci! Hugo Trépanier, réalisateur. Madame Bergeron. Enchantée. Je suis impressionnée. Oh, ben. Rentrez. Et tu es beau? Réalisez ça? Ben oui, absolument. Tu es beau! C'est pareil, ça, hein, c'est bon, ça? Bon, ça s'arrête. Comment ça? Ça s'arrête-tu, ça? Ah, je suis fière. J'aime bien ça. Franchement impressionnant. Ah, c'est impressionnant, hein? Ben, c'est ça. Viens. Encore plus fan que moi, Madame Bergeron. Oh, ça. Oh, ici. L'alarme. Non, ici. Ça va être tout seul, là? Ouais. Je les ai vus, ceux qui ont enterré l'affaire de métal. Il était 3h du matin. 3h du matin, là. Moi, j'entendais ça, ce gros bruit-là, comme une machine. Ça fait que j'ai mis mes bottes de pluie, puis je suis sorti dehors, en pleine nuit. Quand même, vous avez été courageuse, sortir à 1h de même. J'étais pas courageuse, j'avais pas peur, j'étais juste un beau fusil. On allait engueuler, moi, l'entrepreneur, là, qui faisait du vacarme comme ça en plein milieu de la nuit. Non, mais, j'étais jeune, mais je te le dis, j'en avais dans ces boulots, moi. Là, il faisait noir comme sur l'eau. Moi, je voyais rien, là. Je suivais le bruit. Puis, ah, pas peur. J'étais tellement fâché, je suis rentré direct dans le bois. Je me disais, coudon, sont-ils en train de couper des arbres à cette heure-là, eux autres? Là, je marchais dans le sentier, puis. Oups, ça venait par là. Je suivais le bruit. Attends, venez-vous-en. J'ai vu une grosse lumière bleue, bien, bien forte. C'est pour ça que je me suis caché ici. J'ai pensé que finalement, j'étais peut-être en danger. En danger? Ben, écoute, je les voyais toutes, là, comme je te vois là. Une gang de petits bonhommes, là, comme des enfants, avec des grosses têtes, comme difformes, puis la peau grise comme de la cendre. Ils étaient là, en train d'enterrer cette grosse affaire-là, en métal. Que vous, pensez que c'était des extraterrestres, là? Ben, hey, ils se sont approchés de moi. Et figés. Là, il y en a un qui m'a pogné par le bras. Et tellement eu peur. Après ça, une grosse lumière en pleine face, puis c'est devenu fou. Mais je le sais. Je le sais, ils m'ont emmené dans leur vaisseau. Hey, ils ont bien essayé de chasser ça de ma mémoire, mais ça n'a pas marché. J'ai la couenne dure. De toute façon, j'ai la preuve de ça. Chez nous. Hey, je suis pas folle. Hein? M'en souviens. M'en souviens très bien. Je me suis réveillé sur le divan du salon, puis j'avais mal de bloc. J'avais pas de bon sens. Je me suis mis à saigner du nez. Ça saignait, ça coulait sur le tapis. Puis là. Ça. C'est tombé de mon nez. J'avais ça dans le nez. Qui c'est que tu penses qui m'a mis ça dans le nez? Je l'ai toujours gardé depuis 1972. Ouais, je me suis dit, ça, c'est ma preuve que je suis pas folle. Je sais, moi, que je suis pas folle. Depuis cette histoire-là, là, je suis devenu comme obsédé de la science-fiction. Les vaisseaux spatiaux, tout ça. Là. C'est pour ça que j'ai décoré ma maison de main. Tu sais, c'était comme une façon de sortir ça de ma tête. Madame Bergeron croit profondément à son histoire. Mais malheureusement, on ne peut pas dire qu'il y a des preuves tangibles.
aucun voisin n'a ni vu ni entendu quoi que ce soit cette nuit-là. Je sais ce que j'ai vu. C'est arrivé pour vrai. Je comprendrais que vous pensez que je suis folle, mais c'est arrivé pour vrai. Ouais. Mais ça m'a fait bien plaisir de pouvoir vous raconter mon histoire, puis merci de m'avoir donné cette chance-là. Merci énormément. À vous de décider si cette histoire fait du sens. Mais concrètement, on est obligé de dire qu'il reste encore à démystifier les secrets de Notre-Dame-des-Prairies.